Eh bien salut à tous mes petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on est sur mon PC puisque je vais vous montrer quelque chose. Alors attention, je tiens à le prévenir, il risque d'y avoir du spoil dans cette vidéo. Donc si vous voulez vraiment avoir la surprise des skins qui vont arriver prochainement sur Fortnite Battle Royale, je vous conseille vraiment de quitter cette vidéo. Dans le cas contraire, et bah bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer les skins qui vont arriver très prochainement sur Battle Royale. Et franchement, il y a du lourd et ça fait vraiment plaisir. Dans les skins que je vais vous montrer, il y en a déjà un ou deux que je me vois déjà acheter, que je me vois déjà me procurer. Et dans l'espace commentaire, comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à me dire le skin qui vous plaît le plus. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur ce site là, ils sont répertoriés tous les nouveaux skins qui sont rajoutés, toutes les nouvelles danses, tous les nouveaux planeurs, toutes les nouvelles pioches, toutes les nouvelles armes. Il y a absolument tout, donc c'est quelque chose que vous pouvez voir de vous-même, c'est rajouté automatiquement. Donc je mettrai le lien dans la description. Et du coup il y a un autre site qui a répertorié un petit peu tous les skins, tous les nouveaux skins. Et du coup c'est parti, on va vous les montrer. Donc le premier skin, c'est le skin de Rex qui possédera aussi son petit sac à dos. Donc comme vous le savez, depuis la dernière mise à jour, depuis le pass de combat saison 3, on a la possibilité d'avoir des objets de dos. Et bah là, quand vous allez acheter ce skin, vous aurez aussi le sac à dos Rex que vous pourrez mettre sur n'importe quel skin. Ce skin là, je sais pas encore quand est-ce qu'il va arriver, mais à mon avis ça risque d'être un des skins qui va arriver dimanche avec les nouveaux skins, comme on a l'habitude de les voir à 1h du matin. En tout cas il est vraiment sympa, mais c'est pas forcément celui qui me plairait. C'est pas dans mon style de jeu, j'aime vraiment pas. Celui qui me plaît le plus, c'est vraiment le skin Burnout. Regardez-moi un petit peu l'élégance qu'on a avec ce skin là. C'est juste un truc de dingue. La veste de motard, le casque de motard avec le petit bandana qui passe vraiment super bien au niveau de la gorge. Le style est juste magnifique. J'adore et je pense vraiment me le procurer celui là. Ensuite vous avez l'agent Rogue qui lui aussi possédera un petit objet de dos, donc un sac à dos. Celui-là, comme on me l'a fait me rappeler sur Twitter, il ressemble vraiment au personnage qu'on a l'habitude de voir dans Halo, donc une petite licence de chez Microsoft. Il est vraiment stylé, en plus regardez avec la vision qu'il a au niveau de son casque, c'est vraiment juste magnifique. J'adore ce skin là. Franchement les deux là, le Burnout et l'agent Rogue, c'est vraiment les deux skins que j'ai plus envie d'acquérir, même si le Burnout me plaît plus, ça ressemble plus à mon style de jeu. Ensuite nous avons les Radiant Strikers qui seront en brillant. Donc voilà, c'est à peu près le style d'agent secret qu'on a déjà sur Battle Royale, que vous pouvez acheter, sauf que cette fois-ci ils seront un petit peu en rose, mauve et violet. C'est plutôt stylé mais ça ressemble pas du tout à mon style. Ensuite au niveau des pioches, nous avons la pioche qui est ici, qui sera une pioche épique. Alors elle est vraiment particulière, on a l'impression que c'est une pioche d'enfant, une pioche de clown. On a l'impression qu'elle est en caoutchouc, mais elle est vraiment sympathique. Ensuite la pioche qui me plaît le plus, c'est la pioche Empire. Regardez juste comment elle est juste magnifique. Elle ressemble vraiment au style un peu du Burnout ou même de l'agent Rogue. Franchement j'adore. Et pour finir nous avons la pioche tacticale qui sera en commune. Et franchement elle est aussi sympa, mais je me vois pas acheter de pioche. Là franchement c'est les deux skins qui sont là, qui sont juste magnifiques. À voir combien de temps ils vont rester, parce que j'aimerais bien acquérir les deux. Alors est-ce que je vais avoir assez de V-Bucks grâce au solo, je ne sais pas. Mais en tout cas ces deux skins sont juste magnifiques. Donc dans l'espace commentaire n'hésitez vraiment pas à me dire quel est le skin que vous préférez le plus parmi tous ceux que je viens de vous montrer, ceux que vous pensez acquérir prochainement sur Battle Royale. Dites-vous qu'ils arriveront avant la mise à jour de la semaine prochaine. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous on se dit à la prochaine. Allez bye tout le monde.